To me, you wrote to me. This is suddenly. So young tonight, she was much younger than the other. Feeling like a prisoner there in the light, she stood. Hey! J'espère que vous allez bien. Moi, cette intro, elle me rend dépressive. Entre le bébé qui pleure, l'intro, on voit bien que sur les murs, il n'y a pas de tapisserie, la fille qui est malade, le fils qui allait manger tout seul, se faire un barbecue en mode solo. Franchement, cette intro a été déprimante. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez mieux que cette famille. Hein. Ça va pas être difficile, je pense. La mère qui est en train de se promener en pyjama d'hôpital et le bébé qui chiale comme pas possible. Et bah écoutez, il va falloir s'occuper de tout ça. En plus, c'est, je crois que c'est Pierre qui pleure. Ouais, et Pierre est dans un berceau rose. Du coup, j'ai l'impression que c'est une fille. Alors qu'on a deux fils, en fait. C'est deux fils. Voilà. On en parle ou pas? Je veux pas faire... Oh, mais mon Dieu, regardez. Elle préfère aller dormir que d'aller s'occuper de son bébé. Non, 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 non. Tu fais pas ça. Tu vas aller. Tu vas d'abord lui changer la couche sale. Le nourrir au biberon, tiens. Elle a envie de faire crac crac, non mais je rêve, il y a son bébé qui est en train de pleurer, elle a envie de faire crac crac. Et ils sont pas contents. Et ils sont pas contents. Allez. Ici on peut toujours pas déposer de morceau. Voilà, on va l'envoyer dormir. Et du coup, lui il est vraiment mal à l'aise. Elle, ça va un petit peu mieux, mais elle est malade et on n'a pas d'ordinateur pour acheter quelque chose quoi pour. Elle aussi, elle a besoin de social, ben elle a qu'à aller parler avec son frère, en fait. Ils ont qu'à aller parler ensemble. Est-ce que je peux prendre les hamburgers et les mettre dans... Non, je peux pas. Tant pis, c'est pas grave. Dans le frigo, je voulais les mettre. Par contre, en parlant de frigo, je crois qu'il y avait un repas... Ouais, juste là, hop, on met au frigo. Ça, on recycle pour la monnaie, l'argent, hein. Par contre, le look, ça va pas du tout. Angela, son look, ça va pas. Hein. Mais ça, vous le savez déjà. Les deux, il faut qu'ils parlent. Hein. Il faut qu'ils parlent entre eux. Donner des astuces de réparation. Donner des conseils familiaux en espérant qu'elle le prendra pas mal. Une conversation profonde. Partager un secret. Oh, il y a un bébé qui pleure, je crois. Il y a un bébé qui est triste. Plaisanté avec une vieille connaissance. Bon, en même temps, c'est ta sœur, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. Enlacé. Allez, blablabla, blablabla. Bébé, il peut pleurer un petit peu, c'est pas grave. Enlacé. Ok, et du coup, on va demander à elle de s'occuper de son bébé. Allez, va l'allaiter. Je crois que vu qu'elle a le caractère de famille, qu'elle aime proche de sa famille, je pense qu'elle préfère allaiter. C'est pour ça que peut-être qu'elle avait pas aimé nourrir au biberon. De toute façon, on va voir. Hein. Si le bébé apprécie ou pas aussi en même temps. Parce que voilà, ça crée des relations. Bon voilà, le bébé a apprécié. Vas-y, apaise ton bébé. Va au pipi room. Et qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Acheter un instrument, vous voulez, et déposer un morceau de piano. Bah ça, on n'a plus qu'à attendre en fait. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas commencé à écrire? Non, bah pas falloir commencer à écrire une nouvelle musique. Composer un morceau. Un truc très jazzy. Ensuite. Mais non, va aux toilettes d'abord. Non, mais c'est pas possible. D'abord, va aux toilettes. Bah, puis, eux ça va un petit peu mieux, je pense qu'il est temps pour eux également d'aller se coucher. Aller dormir. Bah toi attends, parce qu'il y a un repas sur place, vas-y mange, je vais te laisser manger. Et la maman, elle va pouvoir commencer à composer un morceau de très jazzy, voilà, sur du piano, pourquoi pas. Ça pourrait rapporter gros. Les bébés sont pas dans le bad.
une fois qu'elle a fini de manger, en papotant, on va lui demander d'aller aux toilettes et aller dormir. Voilà, c'est parfait. Tout le monde a sa petite chose à faire. Il va falloir que je me concentre un petit peu sur les objectifs, puisque la maman, ça va, elle va... Bon, voilà, c'est encore la matriarche pour un petit moment. Elle peut encore faire quelques bébés, je pense. Mais au bout d'un moment, elle aussi, elle va vieillir. Mais ce serait bien qu'avant, elle nous fasse gagner quand même pas mal d'argent. Voilà, voilà. Bébé qui pleure. Par contre, il a déjà été nourri il n'y a pas longtemps. Donc je vois pas pourquoi il pleure. Il n'a pas fait dans sa couche non plus. Ah bah là, il vient de faire dans sa couche. C'est peut-être pour ça. Ça voulait pas passer. Du coup, il a pleuré et ça va mieux. Ouais, va dormir toi aussi. Comme ça, tout le monde va... Non mais c'est une blague. C'est une blague. Je vais pas faire caca en même temps, là. C'est pas possible, hein. Non mais oh, ils font pas caca en même temps aussi, hein. Bercer pour qu'il puisse endormir. Ah, il va pleurer dans 2 secondes parce qu'il aura faim lui aussi. Allez, va prendre des restes. Oh non, mais laissez-la un petit peu la maman aussi, hein. Ah merde, j'ai pas vu, mais j'en avais 2. Bon, reprendre le morceau ensuite là. Et qui va aller s'occuper des bébés? Bon bah tiens, toi t'es un petit peu moins dans le bad. Tu vas aller les nourrir au biberon. Nourrir au biberon. Toi tu te réveilles, tu vas au pipiron. Parce que ouais, faut vraiment qu'on fasse la tapisserie. Mais là on est un peu mince hein, niveau argent. Et il faut qu'on continue à gagner de l'argent du coup après ça. Voilà, vu qu'ils sont adultes en plus, ils vont plus à l'école. Aller pêcher. Voilà, tu vas aller pêcher. Tu vas aller pêcher. Qu'est-ce qu'il va pas... Ah oui, il va aller d'abord aux toilettes, effectivement. Après, ça ira beaucoup mieux. Attends, peut-être que juste avant d'aller pêcher, tu vas aller manger. Tiens, tiens, va manger la bouffe. Je crois que c'est qui a sorti la bouffe là, je sais pas, mais... Tu vas aller piquer la bouffe et ensuite, tu pourras aller pêcher. Quant à toi... non, pas la télé, tu vas manger... prends des restes et pareil tu vas aller pêcher. Allez me faire gagner de l'argent. Et là on peut accélérer le time. Et puis voilà, il y a la... Elle aussi bientôt va voir c'est l'anniversaire de Pierre. Ce que le temps peut passer vite. Ok, Pierre va grandir. Il me semblait que Pierre il est né après Julien. C'est moi ou je suis... Attendez, notification s'il vous plaît. J'ai l'impression que Pierre il était né à... C'est trop chelou. Mais enfin bref, Pierre qui va grandir, ça va pas nous aider tout ça. J'aurais préféré qu'il reste un petit bébé encore plus longtemps. Parce que c'est vrai que s'occuper d'un bambin, ça reste quand même plus compliqué que de s'occuper d'un bébé. Mais bon, on a encore la journée donc... Ouais, laisser en bébé encore la journée et puis après on le fera grandir. Qu'est-ce qui va pas? T'as été nourri, toi. Oh là là. Bon, allez, va manger. Est-ce qu'on peut... Non, on peut toujours pas déposer de morceaux. Et ici, il fallait que je fasse quoi? Acheter un instrument. Ben, on va peut-être acheter un instrument. On a peut-être assez d'argent. Parce que c'est vrai que là, j'ai bloqué, entre guillemets, mes petites demandes. Enfin, les trucs qu'elle a envie de faire. Je les ai un petit peu bloqués avec ces deux choses-là. On va aller voir dans les instruments si on a quelque chose dans le budget, pas trop cher. Parce que ici on avait quoi? On avait pas déjà... Ouais, on a déjà un violon, on a un piano, du coup on va partir sur une guitare. On va prendre la petite guitare acoustique 740 Simfuse. Oh, la guitare là, elle est sympa aussi, elle est sympa. Il y a quoi comme couleur? Elle est sympa. Elle est à combien? Elle est à... Ouais, mais 1300. 3, 2. Là, c'est 3. Divertissement 3. C'est environnement. D'accord, ça augmente de l'environnement. 3, 740. Guitare. 700... On va peut-être prendre plutôt celui à 740. Ouais, non, allez, 600, si me pousse, ça suffit. Hein. À la limite, l'environnement, hein, ça va, quoi. On va mettre la guitare ici. De toute façon, il y a tous les instruments dans la même pièce. Hein. Voilà.
plus ça fait joli comme ça devant la baie vitrée de la maison. Écoutez, bah, c'est parti, hein. on va repartir sur autre chose. Acheter un théâtre à marionnettes. Mais t'abuses pas un petit peu, toi? Bon, allez, partons sur un théâtre à marionnettes. On va taper ici marionnette. Théâtre de marionnettes. Ça dépend aussi combien que ça coûte, hein. 855. Oh là, ça me coûte cher. On va essayer de prendre quelque chose avec des couleurs neutres. Ouais, quoique, ouais, ça fait vraiment théâtre à marionnettes comme ça. Mais au moins, ça pourra les amuser. Mais ça marche comment, hein? En fait, ça fait tout seul le théâtre, en fait. Je pensais qu'elle devrait rentrer par la petite porte ici, mais ça fait le théâtre tout seul. Tout seul, c'est pas si mal que ça, finalement. De toute façon, tout à l'heure, faudra bien faire une belle grande salle de jeu pour le plaisir et pas forcément que pour le confort. Ok, là, ça pêche. Elle pêche pas? Qu'est-ce que tu fais? Penser à un membre de sa famille. Mais je t'ai pas demandé de penser à ta famille, hein. La fille trop méga sympa. Arrête de penser à ta famille. Ouais, les poissons sont trop intelligents pour toi ici. Arrête tes conneries, hein. Par contre, lui, ça va, mais sans plus, hein. C'est pas ouf, la pêche n'est pas si bonne que ça. C'est vrai que la pêche, c'est une fois sur je sais pas combien que c'est rentable, quoi. Autant des fois, sur le même endroit de pêche, ça passe, mais autant des fois, ça passe pas, hein. Heureusement que j'ai les grenouilles qui me rapportent 160 simples par reproduction. Ok. Changer la couche sale. Et qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Faire du bénévolat en famille. Attendez, elle va envoyer un message, un SMS de bonheur. On va envoyer ça. Bah, ouais, vraiment que je me note les pères, parce qu'au bout d'un moment, j'ai oublié avec qui on a déjà fait un bébé, avec qui on n'a pas fait de bébé. Oh, lui aussi, il est en train de chier dessus, je parie. Il y a un temps qu'à faire, on va l'allaiter, lui, le temps que l'autre finisse son caca. Voilà, il a fini son caca, ça va mieux. C'est une magnifique journée sortant pour en profiter. Bah, si tu peux venir, mais moi, je peux pas vraiment sortir. Et, vas-y. Bah oui, hein, ça pue, hein, c'est des bébés, hein, ça fait caca, c'est normal. Et elle devient adulte dans combien de temps? Dans 5 jours. Parce que là, elle est jeune adulte, elle va passer adulte dans 5 jours. Bon, ça va, on a encore un petit peu le temps devant soi. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Enlever la nourriture gâtée. Vas-y. Mais non, fallait jeter dans le... Oh. Allez, va aux toilettes et va finir ton morceau. Parce que là, je crois qu'il nous reste encore... Ouais, un morceau de musique à finir. Et en plus, on gagnera des points. Hop, ici. Non, c'est pas ça. Je fais des bêtises. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que ça pêche? Oui, 12 simflous, c'est pas ouf. Ici, 43 simflous, c'est mieux que rien. Je vais peut-être l'envoyer, elle, plutôt... chez lui, ça a l'air quand même un petit peu mieux, la pêche. Ça a l'air un petit peu mieux, quand même. 33 et là, 35. Et je pense que, elle, je vais l'envoyer plutôt... ouais, quoique, ça commence à rentrer un petit peu. Peut-être l'envoyer plutôt aller chercher des cailloux. Aller creuser, chercher des cailloux, parce que bon, là, c'est pas fructueux, hein, tout ça, hein. Avec la pêche, bon, c'est utile parce que quand on peut envoyer les enfants faire de la pêche, et les enfants, franchement, ils peuvent chercher des cailloux, ils peuvent faire de la pêche, mais par contre, ils peuvent pas faire de jardinage, ils peuvent pas vraiment gagner de l'argent avec la musique, etc. Donc, je pense que la pêche, c'est intéressant pour les enfants, mais au-delà, c'est vrai que ça commence à être limite, quoi. Donc elle va plutôt aller chercher des cailloux. Allez, il y a tout le monde qui est occupé. Les bébés sont en train de dormir. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Dormez, c'est bien. J'ai bien fait de les nourrir. Oh non, t'es chaud. Bon, bah, c'est pas grave. Ça va... Ah, se demande si je veux le rejoindre quelque part. Bah, vous avez qu'à venir ici aussi. Hein. Et... Bon, c'est pas grave. Le bébé, il va pleurer un petit peu. Hein. C'est pas bien grave. Là, ça commence à faire beaucoup de bébés qui pleurent, là. C'est quoi? Arrête la pêche et viens de t'occuper des bébés. On va pas les renourrir, on les a nourris il y a pas longtemps. En plus, je crois que je les ai nourris un petit peu vite, hein.
Et creuse. On dirait, vous savez, les gens qui vont à la mine le matin, hein, c'est chaud quand même. Hein. On voit ces enfants comme ça aller chercher, creuser des cailloux, etc. Juste pour essayer de gagner un petit peu d'argent, quoi. Enfin, quoique, non, mais franchement, c'est vachement rentable les cailloux, par contre. Hein. Je parle, je suis une mauvaise langue parce que c'est quand même pas mal rentable. Hein. Faut se l'avouer, c'est rentable. Regardez, on va même récupérer des citrons. En plus, vous m'aviez demandé dans les commentaires de planter des citronniers. On va voir combien vaut un citron pour voir si c'est rentable ou pas. Sachant qu'on n'est pas super calé dans le jardinage. On va chercher tous les cailloux ici encore. Mais d'abord, on l'enverra aux toilettes. Oh, elle va aller d'abord aux toilettes. Ok, bah va aux toilettes, sinon ça va... Tu vas te faire dessus. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est parti faire une sieste. Ok, elle est en train de continuer. Oh, arrêtez de pleurer. En fait, ils ont vraiment faim, ça se fait. On va voir si je les apaise et qu'ils sont encore tristes. Voilà, c'est parfait. Alors, va dormir. Elle fait son petit pipi. Et puis on va l'envoyer finir le tour. Bon là autant pis hein, pour les endroits où on a loupé. Mais ce serait bien au moins de finir le patelin quoi. Ici quoi. Pff, franchement en plus il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Creuser, creuser, creuser. Oh là là. Oh il est en train de pleurer encore mais c'est pas possible. C'est bientôt l'anniversaire de Julien. Et Julien, on l'a eu après Pierre. Ta fille, elle se souvient pas de ses propres gamins. Quoi. Oh, je croyais que t'étais plus grand que ton frère. Elle, on va la laisser finir. Bah, écoute, toi, réveille-toi. Faut respirer, hein. Faut respirer. Faut respirer, là, ça va plus. Respire, quand elle respire, ça va aller. Ça va aller. Tout va aller. Ou pas. Voilà, va manger, ça va aller. Quoique, carrément, servir le dîner, hein. En plus, je suis là inspirée, petit tacos au poisson, pourquoi pas. Comme ça, la maman, elle est tranquille. Mais non, mais... Attends. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, elle a fini. Bah écoute, tu peux rentrer à la maison, prendre rapidement une douche, et puis aller dormir, t'es fatiguée. On le voit, c'est pas grave. Crie pas le poisson, hein. Ah, lui s'en fout, il bouffe avant, hein. Tant pis, il restera dans son caca. Donnez un titre à votre nouveau morceau. Donc ça, c'est le morceau de jazz. On va l'appeler Jazz, Jason, allez, avec deux Z pour le délire, Jason. Voilà. Et voilà le nouveau titre de musique, Jason dans tous les bacs. N'hésitez pas à aller l'acheter au humble prix de 99,99€. c'est donné. Éventuellement avec une promo à moins 30% pour l'avoir dans les 68€ et quelques, je ne sais pas combien. Voilà, voilà. Oh, il saoule. Hein. Il saoule, clairement, il saoule. Il y a tout le monde qui est en train de dormir. Elle qui a fini. On va lui demander de s'occuper un peu de ses bébés là, parce que c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'anarchie. Est-ce que ça va mieux ou pas? Oui, ça a l'air d'aller. Là, prendre une portion. Ça, on envoie ici. Et ça, au frigo. Voilà. Ah là là, c'est compliqué. Mais on avance. Et je pense que du coup, on va bien pouvoir fêter l'anniversaire au prochain épisode des bébés. Hein, en tant qu'à faire, on le fera au prochain. As in next. C'est bon. Non, 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 non. Non, nettoie pas s'il te plaît, nettoie pas. Je veux gagner de l'argent. Oh non, ben voilà.
Et puis voilà, c'est raté. Oh, franchement, là, les bébés. Oh, franchement. Ah, franchement, là, vous abusez grave. Hein. De toute façon, on va les faire grandir, là, puisque les deux... Comme ça, ils auront les deux le même âge, c'est pas grave. Alors déjà, toi, tiens, je t'apaise. Elle devient folle, je crois. Ah, elle a besoin de médicaments, elle est en train de tomber malade, elle aussi, ou quoi? Alors, Pierce, on va le faire grandir maintenant, je pense. Changer d'âge, parce que de toute façon, c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, Pierre a vieilli. Ah oui, il faut faire les... le générateur... le générateur de caractéristiques avec le papa de Pierre. Mais le problème, c'est que je me rappelle plus qui est le père de Pierre. Bah, je pense qu'on va faire un générateur carrément aléatoire. On va pas chercher à mettre tous les caractéristiques. On va mettre Sims 4 générateur de traits aléatoire. Et puis voilà. Hein. On pisse. Hop. On va pas chercher à comprendre. Parce que si je dois me souvenir de tous les pères, ça va pas le faire. Vous connaissez ma mémoire. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible que je me souvienne de tout le monde. Hein. Franchement, là, c'est pas possible. On va mettre peut-être les traits de la mère au moins. Ça, je les connais, ça effectivement, je les connais. Et le troisième trait. Hop. Le troisième trait. Ok. Générate, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ok, qu'est-ce que ça m'a généré? L'honneur. Alors l'honneur, c'était quoi déjà? C'est solitaire. Ça doit être le trait là, je pense, solitaire, non? Ça m'a pris... On sent la fille qui est super calée, mais là j'ai l'impression que ça m'a sorti les traits carrément pour l'enfant. Et moi j'ai besoin pour un bambin. On va mettre carrément Sims 4 générateur traits. Bambin. C'est vrai que ce serait dommage qu'ils mettent pas directement un bouton aléatoire. Oh là 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 là. Je crois que j'avais mis en plus dans mes... Random trait générateur, ouais, je l'avais mis dans mes favoris au moins. Waouh, voilà, toddler, oui, c'est bon. Générate toddler trait, ok. Ah, indépendant, super. Voilà. Ah, et là on peut pas choisir, ok, on est tombé sur indépendant. C'est pas plus mal, mais c'est bon, je laisse de côté. Je l'avais mis en plus dans mes favoris et waouh, j'ai zappé entre temps. Mais bon, voilà, indépendant, moi, ça me va. Je garde le... Hop, voilà, il est passé. Et du coup, Julien, vu qu'il grandit pas encore aujourd'hui, on le fera grandir demain. Mais moi, franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, j'ai l'impression que je suis devenue folle, en fait. Parce que il me semblait vraiment que Pierre, c'était le deuxième. Et que Julien, je l'avais eu avant. Julien, j'avais eu à l'hôpital et que Pierre, je l'avais eu à la maison. Alors, je dois avoir un souci parce que je m'en rappelle plus. C'est pas le fils de Marcus Flex, par exemple, parce qu'il a un peu sa tête. En tout cas, voilà, le premier bébé est devenu bambin et elle a besoin d'aller prendre une douche. Et le bébé, est-ce que ça va? Le bébé, il a faim. Oh non, ça commence. Ça commence. J'arrive pas à le sortir. Prendre une portion. Pourquoi j'arrive pas à le sortir, ça? Lol. Bon, c'est pas grave. Voilà, il prend une assiette. Voilà. Et tu vas aller manger.
Comme un grand garçon. Comme un grand garçon. Alors, pour faire grandir un bambin en enfant, il faut, je crois qu'il ait 3 tris maximum. Vous pouvez les faire vieillir une fois qu'ils ont atteint le niveau 3 dans chacune des compétences. Le poids également et ne vous empêche d'attendre son vieillissement spontané. Pour monter au niveau 5, tous les compétences avoir le bonus de compétences pour l'enfance. Ouais, donc il faut toutes les compétences. Sinon, il fallait que 3 traits, mais en fait, il en faut beaucoup plus que ça. Oh, est-ce qu'on peut... Oh, toujours pas. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Chercher des informations sur les vampires. On n'a pas d'ordinateur. Complimenter quelqu'un. Ok, je voulais complimenter son fils, mais il est dans le bain, ça va être compliqué. On va trouver autre chose. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Faire un câlin à Pierre. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible de lui faire un câlin. Enlacer tendrement. Voilà, je pense que c'est ça. Et ça, hop. Ah, c'est même pas ça, faire un câlin à Pierre. Enlacer et câlin, c'est pas la même chose. Ok. On aura appris des choses. Faire un câlin. Faire une imitation pour quelqu'un. Est-ce qu'elle peut faire imiter quelqu'un pour son fils ou pas? Enfin, pour le bambin, je crois pas. Hein. C'est peut-être un peu short, quoi. Écoutez, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Le premier bébé a grandi. Et le deuxième, bah du coup, aujourd'hui, jeudi, on fera grandir le deuxième bébé. En tout cas, ça va, il est choupi tout plein, Pierre. Il est choupi tout plein, il est tout mignon, il a une bonne tête. Il a une bonne tête, il a des bonnes joues. Franchement... Ça va. C'est un bébé prometteur. Hein. J'espère qu'il aura juste pas les cheveux blancs comme son frère quand il sera devenu adulte ou foufloute. Je crois qu'il était déjà adolescent, il avait déjà les cheveux blancs. Alors il a tellement stressé son propre fils qu'il est devenu cheveux gris à cet âge-là. Voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et du coup, bah, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Donc je rappelle bien sûr, le 100 bébé challenge est posté tous les mercredis et vendredis à 17h30 sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.